Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Installation ce jeudi des 9 membres de la commission de facilitation de passation du pouvoir formée par Alternative Consensuelle pour la refondation d'Haïti. Cette entité aura pour mission d'identifier l'équipe devant composer la transition. L'Association des hôpitaux privés d'Haïti tire la sonnette d'alarme. Franck Généus dénonce des actes de plus en plus violents et ciblés contre les hôpitaux. 4 personnes ont été blessées par balles ce jeudi au niveau de Martissant. Des individus ont ouvert le feu sur un tap-tap. Parallèlement, un autobus assurant le trajet Port-au-Prince-Jérémie a été détourné par des bandits de Village de Dieu. L'opposition réitère sa détermination à poursuivre la mobilisation en vue de renverser le chef de l'État, Jovenel Moïse. Les dirigeants de l'opposition ont procédé à une présentation des membres de la commission de facilitation de la transition. Les 9 membres de cette commission sont des dirigeants de partis composant de l'Alternative Consensuelle pour la refondation d'Haïti. Madame Antoinette Duclerc est une pétro-challenger et membre de Solidarité des consommateurs haïtiens. Monsieur Antoine Augustin est un militant politique et professeur d'université. Monsieur Michel Legros est un sobre leader de l'opposition. Il est le représentant de l'Union des forces populaires. L'écrivain Gary Victor est un militant politique. Il est le représentant du mouvement de la troisième voie de Réginald Boulos. Monsieur Himmler Rébu, colonel des forces armées d'Haïti, est un ancien ministre de Martelly. Il est dirigeant d'une formation qui a rejoint l'opposition consensuelle. Et l'éminent juriste Gervais Charles, ancien bâtonnier de Port-au-Prince, fut conseiller de Martelly mais a rejoint l'opposition sous l'administration de Jovenel Moïse. Madame Claire Lydie Parent, ancienne mairesse de Pétionville, est dirigeante d'un parti membre de l'Alternative. Et le père Gandois est le représentant des forces de l'opposition progressiste FOP. L'ex-député Hugues Célestin est dirigeant d'un parti membre de l'Alternative. Les membres de cette commission devront désigner un juge de la Cour de cassation comme président provisoire pendant la période de transition. La commission a engagé le bon côté PAL pour le travail avec un pile rigueur, honnêteté et sens responsabilité pour arriver à remplir la mission comme ça doit. Je dis à pays à traverser une grosse crise qui touchait tout fondement de la nation. Ça n'a pas je dis à tellement grave, toute citoyenne, tout citoyen en d'un pays à, avec si là, tout cap vivre l'autre bord de l'eau, dans la diaspora, doit sentir concerné par ce qui a passé dans le pays aujourd'hui. Situation malouxa, aujourd'hui, c'est le résultat échec institution qui formait l'État, mauvaise gestion qui installait dans le plus haut niveau appareil l'État, qui fait nous tomber dans le Kachoumbe, ça, côté nous là. Peuple haïtien la guerre des bras ballants, grand goût, la misère, insécurité, chômage à valer terrain pendant que moun peuple haïtien confié bay mandat pour résoudre problème ça yo rete bras croisés. Et c'est devant tout ça que peuple haïtien qui sentir à bout décider lever camper pour dire c'est assez. Si Jovenel Moïse n'a pas demandé pour l'aller, en tant que citoyen responsable, citoyen, citoyenne responsable, nous devons mettre plein pour nous, pour l'aller et puis pour assurer continuité. Bon, ben, on a parlé de système, mais l'État doit exister. Mais pour l'État exister, il faut qu'il y ait des citoyens, des citoyennes qui travaillent pour ça, qui travaillent sur un plan. Eh bien, nous-mêmes, c'est dans l'idée de ça
nous chita ensemble pour nous partager l'idée, tout secteur réuni, tout groupe signataire alternatif pour nous partager l'idée dans ce sens ça et qui définit dans plusieurs points parmi eux pour remplacer le président par un juge de la Cour cassation que nous allons proposer toi et puis tout pour nous et proposer bah, l'idée sous, pour proposer un premier ministre. Madame Commission a fini après installation et président provisoire. Et nous, commission a compté sur chaque monde, chaque groupe, chaque secteur, chaque signataire et alternative là, pour et à tout secteur nous pral chita yo, nous pral visiter yo. Nous comptons sur nous pour aider commission à atterrir mission ça qui c'est une grosse mission et qui est important pour Haïti. Le porte-parole de l'organisation politique de base, dénommée Escouade démocratique, Rosemont Jean, dénonce les responsables du Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, qui, selon lui, travaillent afin de fragiliser l'institution policière. Selon l'activiste politique, le RNDDH vise à intimider les policiers qui ont pour mission de protéger les vies et les biens. Nous voulons que tout le monde connaisse RNDDH, que Pierre Espérance dans la tête, c'est un parti politique. Ce n'est pas une organisation de défense des droits humains, mais c'est un parti politique qui fait partie de l'opposition. Et qui est qui s'allie en dedans inspection générale police nationale. Là. Travaille. C'est utiliser des faux rapports sous police qui garantit sécurité et bien population. Les policiers ont arrêté des bandits qui ont cassé les magasins. Ils ont arrêté les gens avec manchette sur eux, âme blanche. Ils ont arrêté les gens qui ont brûlé pour la gasoline. C'est crime ça. Ce n'est pas même délit, c'est des criminels. C'est des gens qui rentrent dans l'affrontement direct avec les policiers. Et puis, inspection générale mette une note dehors pour intimider les policiers, pour empêcher les policiers de faire travail, et puis pour opposition, cap boulé, cap crasé, empêcher les gens à l'école, capable de prendre élan. Eh bien, dans ce sens, nous dénonçons ces choses. Un citoyen qui a manifesté, moi qui dois pour, ou même tout qui dois contre. Nous pas de pensée unique en Haïti. Ce n'est pas le peuple haïtien qui dit le pavle Jovenel. Si il y a 12 millions d'habitants, nous disons, admettons qu'il y a 1 million de personnes qui sont et 9 millions, et 11 millions d'autres personnes, il n'y a pas de droit. Il y a demandé à l'inspection générale de mettre une note dehors pour les policiers pas cagoulés, alors que les bandits sont même cagoulés. Bandits, Adzam, AK-47, Galil, 12, 9 mm, manchette, et puis ils disent, force spécialisée, pas de droit de charge, pas de droit de baïbal, pas de droit de mettre vacabon en déroute. Nous disons, nous demandons, jodi a, faut qu'il y ait des décisions d'État qui prend pour renforcer force spécialisée, faire appel avec les militaires, faire appel avec l'armée pour restaurer, pour rétablir l'ordre dans la cité, pour permettre à tout le monde qui veut aller à l'école, petit machin, reprendre l'activité. Professeurs, universités, pour la vie, reprendre dans le pays. Je dis à ces deux bandits, notre dangereux, qui décidaient de venir contrôler le pays. Pendant ce temps, ils ont dit que c'est Jovenel Moïse qui n'est pas bon. Nous sommes d'accord avec des failles, nous sommes d'accord pour un dialogue, nous sommes d'accord pour l'habitation, mais cependant, nous disons qu'il y a résistance face à un projet de choucaille. Dans les villes de province, et notamment les Cayes, Gonaïves et Mirebalais, la situation demeure encore préoccupante à cause des violentes manifestations. Des scènes de pillage, des tentatives d'incendie, entre autres, c'est le tableau qui décrit la réalité depuis plusieurs semaines. Les entreprises qui sont encore debout sont restées fermées. Les petits commerçants ne sont pas trop nombreux. La circulation est paralysée, avec pour conséquence certains produits sont en manque, en particulier le carburant et l'eau. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.